Nous sommes ici à la Conférence mondiale du développement des télécommunications à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et j'ai le grand plaisir d'être avec le ministre Tarsis Nkaysa Baizi, qui est le ministre des télécommunications, de l'information, de la communication et des relations avec le Parlement de la République de Burundi. Ministre, merci beaucoup pour votre présence dans le studio aujourd'hui. Merci aussi à vous. Je voudrais commencer par vous demander pourquoi est-ce que la Conférence mondiale du développement des télécommunications est-elle importante pour Burundi? Cette conférence est très importante pour mon pays, le Burundi, parce qu'il s'agit, entre autres, pour ce cadre-là, d'arrêter un plan d'action pour les 4 ans à venir. Et le Burundi, ce plan d'action va permettre d'éviter de naviguer à vue. Et comme vous le savez, le Burundi a son plan d'action, plutôt sa politique nationale des TIC. Et ce plan d'action va accompagner notre pays dans la réalisation de cette politique. Et quelles appréciations en faites-vous pour cette conférence et quelles sont les attentes de la République de Burundi? L'appréciation positive. D'abord par rapport à l'organisation, une conférence bien organisée. Et là, nous remercions vivement le pays hôte, mais aussi tous les responsables de l'Union internationale télécommunication. Deuxième appréciation positive, c'est par rapport au thème choisi, le développement des télécommunications. Je pense que le thème est très intéressant pour le Burundi, un pays qui se veut, qui veut se transformer en une société, en une économie dynamique, mais aussi adaptée à l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Et pour terminer, pouvez-vous nous parler de la vision et des ambitions de la République de Burundi par rapport au secteur de l'économie numérique? Le Burundi a une grande ambition. Et cette grande ambition est en cours de réalisation. Notre pays veut, comme je le disais tantôt, se transformer en une société dynamique, une économie dynamique, fondée sur l'information et la communication basée sur les TIC. Vous savez, nous avons développé le fibre optique à large bande et le réseau métropolitain dans la capitale Bujumbura. Ces deux réseaux vont permettre au développement de plusieurs applications en matière d'éducation, en matière commerciale, pour le développement des services de l'administration et j'en passe. Donc cette conférence est d'une grande utilité pour notre pays. Ministre Nkaysa Baizi, je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. Je vous remercie, moi aussi. Et merci à vous aussi.